Il m'a dit, ton fils a écrit ça. Your son wrote this. Et tu es ici. And you are here.
Tu n'as pas d'autre nom? Est-ce que tu as le temps mercredi que nous puissions aller quelque part? And you have time on Wednesday to go somewhere? Moi, je dis oui. I say yes. Il a dit bon mercredi, tu vas à la porte après la mort. Where do you want me to meet you? On va voir une autorité. We will see what the Lord is. Comme vous voulez. On arrive là-bas. We were right there. Il m'a dit non, we come to the airport. So we go to the airport. We go to the airport. Okay. On arrive à l'aéroport. So we reach the airport. Je n'ai pas de formalité à remplir. I didn't have any formalities. Il me fait passer ce mal à mon doigt. So we just went. And he was in the shop. Avec sac au dos. With his bag. Avec chemise. And his shirt. On l'a dans l'avion. We went in the plane. On atterrit à Washington. We landed. Aéroport privé. And a private plane. Quand on atterrit là-bas. When we landed there. Il dit, follow me. He said, as we go. On va. Vous voyez la grande maison, la capitale. We see the big house, the capital. White. Yeah, the capital. Il dit, follow me. On est en train de se voir là. Le capitaine, le sénat. Yeah, the capital is. On arrive là-bas, il dit. You went there inside. You just keep quiet. Just to start typing. Et je savais pas qu'il a fait la photocopie des documents. I didn't know that he made the photocopie of the documents. We went there to meet the senator. You are senator from my state, yes. Vous êtes sénateur de mon état. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. This is my pastor. C'est mon pasteur. His problem must be solved now. Some problem was solved in the meantime. I didn't understand. He opened his bag. Il sort des sous-vêtements. He came with two underwear. Il brosse sa dent. A toothbrush. And bag of fish. Il a dit, I am here, ready to sleep here. He said, je suis prêt à dormir ici. To solve the problem of my past. Jusqu'à ce que vous avez le problème de mon passé. Il dit, I'm not going out. Je suis pas dehors. Ici. My pastor's problem must be solved now. Jusqu'à ce que tu me dises, je vais qu'est-ce que vous avez dit? Vous dites. Je vais vous pasteur. I was surprised. Keep quiet. This is your mind. Ça c'est mon problème. Et je vais vous dire pour terminer la chose. Pour on nous a supplié de sortir du bureau. They beg us to come out. Il a dit non. He said no. Il n'a dans le bureau. You interrupted. Et tu montre que le problème de mon pasteur est résolu. I want to see the document that said that the problem of my pastor is resolved. Alors, le sénateur a écrit à son secrétaire, ils ont écrit une lettre. So the senator gave the secretary to say. To him. On nous a donné la lettre. They gave us the letter. On est sorti. We went out. Mais now. Now. We can go back. On est rentré à l'avion. Nous sommes rentrés à l'avion. On est rentré. Nous sommes rentrés. Quand on est arrivé à la maison. When we arrived, when we were home. Le téléphone sonne. The phone was ringing. Are you sorry? Are you this and this? Yes, yes, yes. Can you come tomorrow the to the office and get out of here? Please, sir. Everything now and finish now. Oh, yeah. It's not just because I'm a great people, but they are the kind of people that
I just come to talk about that city. I'm happy that I did it. Je parle que Dieu vous mette en contact. So I pray for God to put you into contact. Avec l'instrument. With your instruments. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. I don't know what I'm talking to, but I'm talking to someone. I know that this is an instrument that is the instrument of God. When God opened your door, et quand vous imposerez la main, and when you put your hand, et ce cas est bon tombé. This is why we came to this place. Say to your neighbor, lève-toi, stand up. I tell to the cloud, there is an instrument there. And the Lord. Hallelujah. Don't turn in the same environment. Go to town. Écoutez la voix de Dieu. Listen to the voice of God. The Saint Spirit that did Father send us in that God tell you to go to that street. Speak to one of the colleagues. You don't know whose child is he. You don't know those people who are in the bar. What kind of office they work during the week. But they are there in the problem. That's why they are there. Dieu vous a placé pour les instruments. God has put you there. Ce sont les instruments de Dieu. They are instruments. J'ai prié que vous avoir des instruments. For you to have from now on. The English, pas seulement les British, parce que vous tous les British, mais les English. Not only British, but proper English. Qui vient s'asseoir dans les bancs. Who comes to sit here. Alléluia. Amen. Qui vous suit, qui vous appelle, votre, qui vous appelle, c'est ici, c'est mon père. You say that this is my spiritual father. Je suis disciple de tel frère. Tu n'as pas besoin de devenir grand. You don't need to be great. Tu n'as pas besoin d'être intimidé par les mauvaises raisons. Mais vous ne laissez pas bloquer par les fausses informations. Don't be stopped by wrong information. Vous ne laissez pas inspiré par ceux qui ont échoué. Don't inspire yourself by those who fail. Votre voie est différente. Your way votre is différent. Façon d'agir est différente. Que la rétention prenne sur votre voie. Amen. Je vais appuyer sur les champignons. Amen. Alléluia. 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 Et qui lui donnera le fruit de ses choses. Bénis cet esprit, Seigneur. Bénis les hommes de Dieu qui sont en cet endroit. Ouvre-les les portes. Mets-les dans la nouvelle connexion, Seigneur. Ouvre les portes dans la vie de tes enfants. Ceux qui ont des dossiers bloqués, que cela soit débloqué au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes d'argent et d'argent sous. Et ceux qui sont malades, sois bénis, Seigneur. To pray for those who are sick. Dieu m'a envoyé avec ce message. God sent me with this message. Impose les mains sur les malades et les malades seront guéris. Put your hand on the sick and they will be healed. Ce soir, today, c'est votre soirée de guérison.